Salut à tous, c'est Mr Driver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 2 PC. Alors, Resident Evil ou Biohazard, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu que j'attendais, j'en ai beaucoup entendu parler. Il est sorti pour la première fois en 1998, le remake vient de sortir. Donc, on est parti. Donc, on va lancer une campagne, on va commencer une nouvelle partie avec Léon Kennedy. Je vais regarder un petit peu les tenues, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable. Revenir aux tenues normales, j'étais déjà aux tenues normales. Oh, stylé, les tenues alternatives. Ok, donc là, on peut voir un petit peu les tenues qui sont disponibles. Soit ça, un peu stylé. Ça, c'est aussi pas mal. Oh, franchement, j'aime bien celle-là. Allez, hop. Allez, je mets celle-là. Pour Claire... Oh là là, oh là là, elle nous régale. Elle nous régale. Pour Claire, franchement, on va la mettre comme ça. Même si, bon, pour l'instant, j'en aurais pas vraiment besoin. Puisque on va faire la campagne de Léon. Donc je pense que tout le monde a déjà vu le début. La cinématique de début. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vais quand même la montrer. Au pire, vous passez. Donc, à tout de suite. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, 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 oh. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai, ça devenait intéressant. Je crevais. Et bam! Oh merde! Perso, moi je descends pas. Hein. Non. 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, je vais faire des vidéos plutôt longues, hein, de type 20 minutes, une demi-heure, j'aimerais bien tout vous montrer, pas de coupure, je vais pas vraiment m'embêter au montage, ça va être vraiment repos, aventure, l'ambiance est très oppressante, vous allez voir tout ça, je connais un petit peu d'histoire quand même, je connais même absolument toute l'histoire, mais faut pas le dire, donc je vais pas vraiment découvrir, je vais redécouvrir les énigmes et tout ça, les décors, et voilà, je n'ai jamais joué, mais j'ai vu quand même quelques vidéos, donc je vais pas vous mentir, on va jouer Léon. C'est parti. Y'a personne. Alors déjà, quand tu vois ça, vaut mieux repartir. C'est bizarre. Ouais, ben voilà, c'est bizarre. Hein? Mais personne, mais qui va rentrer? Il va falloir m'expliquer qui rentre dans une station-service en pleine nuit quand t'entends une fenêtre qui se casse, sérieux. Putain, j'ai pas envie d'y aller. Bon, en plus y'a du sang sur le sol. Alors, il va falloir que je prenne un petit peu le jeu en main. Hein. Okay, donc je bouge, je vais régler un petit peu tout ce qui est réglage, hein, excellent. Donc à tout de suite. Bon, c'est parfait. Regardez ces décors, ils sont vraiment très très stylés. Donc on va vraiment absolument tout fouiller. Parce que des petites balles qui traînent par-ci par-là, c'est souvent très probable. Hein. Oh j'ai peur. Je joue avec le son un petit peu fort. Bon écoutez, on va rentrer avec.
Je sais qu'on a un flingue. Je vais essayer d'économiser au max les balles, parce que les balles, ça part très très vite. Quelque chose tombe par où ? Mais tu m'étonnes ! Il y a du sang par terre ! Sors ton flingue, s'il te plaît. Ça va ? Salut, frérot. T'as des lunettes ? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Ah ouais, t'as des lunettes. Bon, par contre, là, je sais qu'il y a une cinématique, hein. Putain, j'ai pas envie d'y aller. Je sais que ça va tuer. Oh, ça va. Je suis en deux cas, hein. Je vais voir ça. Alors, on va voir. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien ? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Alors, le premier zombie. Bouge pas ou je tire. Ouh. Oh, j'adore. Bon, t'as fini? Faut mourir, monsieur, hein. Non, 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 non. Il me faut la clé. Monsieur, vous êtes mort ? Ok, on a la clé, donc on va pouvoir sortir. Ça fait plaisir de jouer à Resident Evil. C'est très intéressant. Allez, je me casse, hein, parce que là, à un moment, faut peut-être pas déconner. Il vaut mieux que je me barre. Sinon... Hé, hey, qu'est-ce que ça veut dire ? Oups. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me le demande aussi. Oh merde, il s'est relevé ! Non. C'est impossible. Ok, bon, mais pour les balles, c'est mort. Mais on s'en fout. D'accord, donc là, je fais ça utiliser. Ah ! C'est quoi ça ? Allez, allez, vite, bouge, bouge, bouge ! Monsieur, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît ! Monsieur ! Vite, avance, 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 allez, allez ! Ok, y'a clair. Tirez pas ! Baisse-toi ! Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi ? Des flics ? Ouais. Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. T'es du coin ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Le héros du 2. Une chance qu'on l'épisode soit rencontré. 1. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Biohazard 1, c'était le frère de Chris Redfield. Hop, je raconte n'importe quoi. C'était le frère de Claire Redfield, qui s'appelle Chris Redfield. Donc c'est un peu le héros du premier opus. Bon, là, est-ce que je m'en foutrais pas un peu ? Allez, ça en passe. Moi, je m'en fous, hein. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville... Nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. C'est nous, amour. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé.
Surtout, ça va très vite dégénérer. Je vous spoil. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh, la vache. Oh, tiens. Léo, il faut que tu recules. T'es... Oh merde. Claire, sors d'ici. Allez, vite. Je peux pas. Accroche-toi. Hop, tranquille, il y a juste un camion citerne qui va exploser, mais ça c'est pas grave. Ouais, il... Voilà, là il va le voir. Oh non. Claire ! Claire, ça va ? Bah on est séparés, hein. C'est un peu la base des jeux d'horreur. On peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Pars tout seul. On se retrouve au commissariat. Mais ne me mets pas dans ce sens. Qu'il est con, il pourrait me mettre dans ce sens. C'est l'apocalypse. Je me casse, j'utilise pas de balles. Mais, madame, laissez-moi, madame. Il y a quoi là-bas? Oh non, non, si tu me dis que c'est un cul-de-sac, c'est totalement un cul-de-sac. Hein. Bon, je m'en fous, je les tue pas. Allez hop, demi-tour, c'était peut-être pas un cul-de-sac en fait. Hein. Bon. Merde. C'est tout le monde. Ils oh là sont là, tous j'ai transformés. Un coup de lag là. Ah, le voilà. Voilà le commissariat. Bon. Le commissariat. Et bah, ces trucs ils sont un peu débiles. Je peux passer sans problème. Hop. Hop, je te feinte. Hein. Et voilà. Bon, bah, on va se réfugier au commissariat. Avec 4 balles. Bah, ça, c'est un peu la base. Hein. Je vais juste faire un petit tour dans les réglages, parce que là, regarde, c'est pareil, c'est pas possible, hein, j'ai des lags. Voilà, j'ai baissé un tout petit peu la qualité des graphismes, ça se voit pas vraiment, je pense. Bon, alors voilà, on est dans le commissariat, et on peut ouvrir ici. Hop, c'est super, hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites balles? Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est terrible, hein, c'est lag, ça va pas être possible. Quelques munitions de pistolet, ça c'est parfait. Donc on va pouvoir recharger. Alors ici, on a une petite caisse. Donc moi, j'ai quelques armes spéciales, hein, parce que je suis un petit peu exceptionnel. Non, c'est les armes qui sont offertes au début du jeu, si on a certains packs, je sais pas quoi, on s'en fout. Je vais garder celle-là, parce qu'elle a des améliorations. Donc là, on va aller voir ici. Il y a forcément quelqu'un ici. Ah. C'est pas bon ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir. Tout est là-dedans. Bon.
Il faut que j'aille l'aider. En soi, normalement, il y a pas mal de personnes qui ont vu des petits tutos, des débuts de let's play de, d'assez gros youtubeurs où on voyait ça. Donc, alors là, il va me falloir totalement un couteau. Hein. Bah le problème, ce que j'aime bien, c'est que genre, on peut pas utiliser la clé pour couper le scotch. Non, ça marche pas. Donc, ça, j'espère qu'elle est utilisée. Moi, je voudrais bien la virer, mais bon... apparemment, on ne peut pas. C'est pas grave, je vais la garder. Donc ben là, je suppose que à peu près tout est fermé. Donc, bah ben, on va descendre. On va aller sauver le copain. Ok. Donc ça, c'est un spray de premier secours. Il redonne toute la vie normalement. Ici, on n'a rien. Non. Ah ok, on peut ressortir ici. J'ai pas regardé s'il y avait des munitions. Bon, on le fera plus tard. Bon allez, on va passer par là. À vrai dire, je suis pas très confiant. Oh. Je comprends pourquoi. Bon. On va pas passer un bon moment, ça. Ça, je peux vous l'assurer. Ok, il nous manque un fusible. Est-ce qu'on peut aller là? On peut pas aller là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous vous entendez pas, ça si va vous n'avez pas une super qualité de son. Et moi, je peux vous dire que j'entends très bien. Et que j'ai pas vraiment... Ok. Bah lui, il va se lever, hein. Allez. On met combien sur le fait qu'il se lève? Salut, je sens qu'il va se lever. Bon, j'ai pas envie d'utiliser de balles. Ah, bah il m'en donne 10 balles. Il est sympa, lui. On va recharger. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on a strictement rien. Hein. Après, on avait quelques balles, donc ça... Ça vaut quand même le détour. Allez, donc on y va. Ça, je déteste ça. Voilà. Bon. Ah, il y a un truc ici aussi. Mais il y en a partout. Non. J'aime pas ici. Oh là, non. Ouvrir les portes. Très mauvaise idée. On parie que ça marche pas. Ok, ça va en fait. On récolte un petit spray de premier secours. C'est pas mal du tout. Donc il y a des trucs un peu éparpillés partout dans le commissariat. Bah eux, ils vont se lever, hein. Bon sang. Je vais juste regarder un petit peu là dans les options parce que ça me plaît pas du tout. Ça continue de laguer, donc je vais voir un peu ce que je peux faire. Bon voilà, donc j'ai un petit peu optimisé les graphismes comme j'ai pu. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais par rapport à mon ordinateur et aux performances graphiques que je peux avoir. J'ai aussi changé la tenue, hein, parce que j'aimais pas trop la tenue de base. Écoutez, on va y aller. Ok. Je vais vous aider. Allez, on va l'aider. Aide-moi. Putain. Tenez votre main. Ouais. Tiens. Notre main, allez. Le carnet d'un officier. Voilà, tout ça c'est parfait. Donc on a quelques petits indices. Donc par exemple, on voit la statue.
Hop, on peut ouvrir un passage secret qui nous permet de sortir depuis le parking. On voit que pour ouvrir ce passage secret, on va devoir trouver une statue de lion, une statue de déesse et une statue de licorne. Et mettre ses bonnes formes. Et bon appétit si vous êtes en train de manger, bien sûr. Ah ! Oh putain, plus jamais ça. Oh, j'ai stressé, pardon. Allez, allez. Ok, lui il est par terre. Je sais qu'il est pas mort, je me tire. Allez, je me casse, hein, m'en fous. Je vais pas chercher à comprendre. Oh, c'est pas par là. Ah ! Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Monsieur ! Monsieur ! Non, arrêtez ! Bon, je viens de me faire mordre, hein. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en remettrai. Non, c'est pas vrai, putain. Allez, deuxième morsure. Ça, non mais, oh, wow, 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 wow. Oh non mais c'est une blague. C'est une blague. Bon alors. Alors, boum, on va utiliser un petit spray. On est maintenant ok niveau santé. Alors, il me semble que c'est par là pour sortir, non? C'est totalement par là. Par contre, je sors. Parce que là, ici je suis pas prêt d'y revenir, je préviens. Hein. Oh non. Allez, merci. Attention ! Je prends mon cul. T'es en sécurité. Pour l'instant. Salut Marvin. Merci. Marvin Branagh. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris. Bon, je vais plutôt les tuer parce que courir, comme vous avez vu, ça fait pas trop le taf. Bon, je sais pas ce qu'il nous a donné. En tout cas, on est bien stylé dans cette tenue. Et on a un couteau. Super. Ok, bon, ok. Qui peut nous être très très utile. Alors ici, voilà, c'est là où on va devoir mettre l'espèce de capsule pour ouvrir le passage secret. À mon avis, on n'est pas prêt de les ouvrir. Hein. Voilà, trouver les trois médaillons. Alors, voilà, déjà on peut ouvrir ça. Parce que j'avais vu du scotch tout à l'heure. Et donc, boum! J'espère qu'il n'y a pas de zombies, c'est je vois déjà des ça, balles. Alors, bah une plante verte. Une plante verte, bah c'est pour faire des soins, pour se soigner, c'est très utile. Ensuite ici, on a quelques munitions. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des monstres à tuer, hein. Sinon ils nous en auraient pas donné. J'aime pas l'ambiance. Il y a un zombie, on l'entend. Donc on dit bonjour au monsieur.
Une entrecôte pour la 5. C'est quoi ? En tout cas, on est vachement stylé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors toi, mon pauvre ? T'as mal fini. Je sais que tu vas tomber. Moi, tu me fais pas le coup. Eh bah ben ouais, je le savais. Ah. Par contre, c'est un seul truc dont je me rappelle. Hein. Une porte trèfle, donc il faut avoir la clé trèfle pour l'ouvrir. On va continuer tout droit. On peut se retourner rapidement. Hop, c'est pas la bonne touche. Hein. Voilà. Là, il y a du zombie qui va arriver par là. Ok, on peut mettre un truc pour bloquer la fenêtre. Une espèce de planche, je crois. Bon, les grands couloirs comme ça, c'est jamais bon signe. Hein. Là, je sens le mec qui va arriver là. Voilà. Ah, c'est une femme, autant pour moi. C'est une blague. Comment on donne des coups de couteau? Quelqu'un a une idée? Je peux le faire. Bon, c'est bon, madame? Non, mais elle est gourmande, elle, hein? C'est bon? Je regarde juste comment on donne des petits coups de couteau, là. Deux secondes. C'est bon? C'est bon. Oh là là, il y a combien de fenêtres ouvertes, sérieux? Ok, donc là on peut pas passer. On peut passer que là. Pourquoi je le sens pas ici? Je sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas de lumière. Ok, il n'y a aucun zombie au sol. Bonne nouvelle. On va tout lire, hein. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens, alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre, addendum, hop, c'est moi qui regarde. Un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Et une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat. Donc ça, c'est important de le lire parce qu'on a souvent des gros indices pour ben, plein de choses différentes. Ok, ici on a une porte verrouillée avec une chaîne, donc on n'a pas de quoi casser la chaîne. Je pense pas qu'on puisse utiliser le couteau pour casser une chaîne. Ici, on a le plan du commissariat du premier étage. Voilà le plan du commissariat, donc ça c'est le premier étage. Là, c'est là où on est passé tout à l'heure quand on s'est fait attaquer. Ici, bah, c'est là où on est rentré, on est passé par là. On voit un petit peu tout ce qu'on a oublié, un petit peu tout ce qu'il y a. On va pouvoir passer ici. On va même y passer. Ok. Position accroupie, ça n'existe pas. Il essaie d'avoir un cheeseburger gratuit, lui. C'est un gourmand. Ah ! Espace, espace ! Bam ! Ok, donc là, on l'a planté mon couteau, ça l'a empêché de venir me tuer. Ok, je crois qu'il est mort. Je vais récupérer le couteau. Il est mort. Bon, il nous a absolument rien donné. On peut pas passer par là. Oh toi, toi. Voilà, c'était sûr. C'est bon? C'est une blague, il a perdu les deux mains. Putain. C'est bon, je crois qu'il est mort. Par contre, notre couteau va être bientôt mort aussi. Ok, bon, on va aller plutôt là en premier. Salle des armes, ok. Ok, donc là on a pas mal de trucs. Ouh.
Le petit fusil à pompe, là, c'est parfait, il me faut absolument ça. Bon, j'ai pas la carte qui permet de l'avoir. Bon, ça, je connais un petit peu le début, donc c'est pour ça. Alors, ici, notre terminal des casiers. On a besoin de touches de rechange. Donc, ben, voilà. On va, alors, ouvrir un peu les casiers. Donc, je vais regarder. Alors, ben, là... 1... donc 100, on va essayer 104. Non, ça n'existe pas. On va regarder ce qu'on peut ouvrir. Donc on a 102, on peut pas l'ouvrir, on n'a pas la touche 2. On a 103, on peut pas l'ouvrir, on n'a pas la touche 3. On a 106. 109. Donc on va ouvrir 106 et 109. Donc alors... on a 106. Boum. Parfait. Donc j'ai l'impression que c'est de la poudre. Je pense que c'est sûrement ça. Et donc on avait aussi 109. Donc comme ceci. On va aller en haut. Et 109. Et on entre. Voilà, c'est parfait. Des balles de pistolet. Bon, c'est bon. Ici, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. On a 203. Bon, ça, je peux pas l'avoir. Hein. Il manque la 2 et le 3. Et on a 208. Je peux pas avoir non plus. Donc, on va récupérer ça. Combiner. Donc, ça fait 4 balles. Ici, on avait... ah, une pellicule. Autant pour moi, c'est pas du tout de la poudre. Pellicule, donc quand on fait développer des pellicules, on obtient des petits indices souvent. Des indices très utiles. Ok, donc là le West Office. Ici un long couloir dans lequel je n'ai pas envie de m'engager. Oh cette blague. Monsieur est gourmand. Voilà. Bon. De la poudre noire. Et je n'ai plus de place. Ah non, c'est bon. Ok, donc là, on nous apprend comment faire de la poudre noire. Donc, pas besoin de lire. Je sais en faire. Bon, toi, tu vas te réveiller. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est bon ? Bordel de merde. Merde, j'ai tiré une balle à côté. C'est bon, il est mort. Alors ici, première mission. Léon S. Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Bon, ça paraît assez simple. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous aviez compris, pas vrai? Bonne chance, Léon. En fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Bon. Alors, t'as de la chance de pas être là, le bleu. Ok. Bah, maintenant que je suis là, il va falloir que je trouve un moyen de déverrouiller. Alors, ça doit être ça. Ouais. Donc ici, on a des cadenas. D'accord, je vois. Ok, je vois. Alors, on va devoir déverrouiller dans l'ordre des bureaux. On va... avoir un rapport d'opération. Bon, ça m'intéresse pas trop. L'ordre des bureaux. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des prénoms sur les bureaux? Regardons. Ah, t'es. On a Nail. Donc, bah, haha, on a les prénoms. Donc, ça va nous être particulièrement utile. On va fouiller ça, d'abord. Toi. Toi, je sens que t'es pas mort. Allez, allez. Qu'est-ce que tu fais? Qui est bon? Voilà. Ensuite, on va s'arrêter là. J'ai un peu fait du speedrun, là. C'est bon, il est mort. Oh! Un petit coffre. Bon, alors là, je sais absolument pas l'ouvrir. J'ai pas du tout le code. Donc, bah, pour l'instant, il nous sert absolument à rien. Par contre, pour les prénoms, on va devoir trouver. Donc, ici, on a... voilà. Quelques munitions, ça fait toujours plaisir. Une porte, on va y aller après. J'aimerais d'abord trouver cette solution. Donc ici, on a Nail.
Neil Carr, je sais pas quoi. Donc C. Vous pensez que c'est C, E. E, c'est sûr. C, E, F. C, E, F. Alors, est-ce qu'on a déjà C, E, F ? Bon, non, on n'a pas. Donc, le premier prénom, c'était Neil. Le deuxième, c'était Elliot. Donc, bah ça, voilà. Et le troisième... c'était quoi, le troisième ? Le troisième, c'était David. Donc, David... On va mettre le petit dé. Voilà, un premier canard fait. Je me demande rien ce qu'il y a à l'intérieur. Porte de trèfle, on ne peut pas ouvrir. Pour l'instant. Ok, ici on a Marvin Brala. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rita. Rita Phillips. Ah ouais, donc R. R. Ici on a absolument rien. Non, c'est pas normal. Ok, bon, on a R, R et M à la fin. Alors, ici, on sait déjà qu'on a R. Ici, on sait qu'on a... Il n'y a absolument pas de M. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un P par hasard? Ok, il n'y en a pas. Bon, je vais résoudre ce petit problème. Est-ce que ce serait pas mon bureau ici? Vous pensez que c'est mon bureau peut-être? Ou alors cet écriteau appartient à ce bureau? Je sais pas. Ok, donc on a Marvin, Rita Phillips. Ah! Ici, regardez sur le sol. Il y a marqué George Scott. G. G. R. M. Alors, est-ce qu'on a déjà un G? Absolument pas. C'était George Scott, donc c'était S. D'accord, hop, on a un petit problème. Hein. Alors peut-être que c'est dans l'autre sens. Donc là, M pour Marvin. Ici, le R de Rita, il nous faudrait. Voilà, comme ceci. Et ici, le S de Scott, peut-être. Vous pensez que c'est ça? C'était George. Hop, voilà, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on obtient un chargeur grande capacité Matilda. Alors, combiné. Et donc, on a un plus grand chargeur pour notre pistolet qui s'appelle le Matilda. Comme vous l'aviez sans doute compris. Est-ce que ça veut dire qu'on peut recharger? Ok, on a 24 balles dans le chargeur maintenant. C'est plutôt incroyable. Par contre, on est déjà à 25 minutes de jeu. Donc, je suis désolée, mais je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour l'instant. On va aller save. Ok, toi. Oh, toi, hop, on va te laisser là. Hein. T'es bien gentil. Ok, donc là, on va combiner. Ça nous fait un mélange de plantes. Ici, on a de quoi save. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer notre spray. Ça, c'est de la poudre noire. Je vais la déposer. On n'en a pas besoin pour l'instant. Ça, je vais le déposer. Ça... je vais pas du tout le déposer. Ça, je vais garder. La pellicule, on va la garder. On va pas safe pour l'instant. Je vais m'approcher d'ici, là. Je vais récupérer la planche en bois. Et monsieur ne va plus nous embêter. Voilà. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je pense pas qu'il puisse casser ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, on va aller développer cette petite pellicule. On a un petit papier à lire. Vertu des plantes. Donc les plantes vertes soignent les blessures sans gravité. Les bleus contre l'empoisonnement. Les rouges n'ont aucun effet. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets. Mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées. Donc ça renforce la constitution si on le met avec des bleus et des plantes vertes. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors on va déjà allumer la lumière parce que c'est pas possible. Ensuite... Les pellicules contiennent des preuves. Une plante rouge, pas mal du tout. Plante rouge, donc on va combiner. Donc combiner avec une plante... Ah, on peut pas. On peut pas combiner avec une plante verte. D'accord. Ok, on peut pas. Donc je vais juste la laisser ici pour l'instant.
utiliser. Voilà. Donc là, en fait, on va développer la pellicule et on obtient une photo commémorative. On a que ça, en fait. Hein. On ne peut pas la tourner, rien. Donc on voit un roi avec un bouquin dans la main et un sceptre avec un joyau. Donc ça va nous être forcément utile par la suite. Au niveau de tout ça, je pense qu'on va toujours garder un soin sur nous. Donc cette plante, on va la déposer. On va save juste là. Et écoutez, bah, on va s'arrêter là. On va peut-être consulter le plan avant de partir. Donc on a visité pas mal de choses. Hein. On a fait absolument tout ceci. On est venu là, on est passé partout ici. Voilà, on est allé même jusque là où on a save. Au prochain épisode, bah, on montera à l'étage supérieur. J'ai pas encore la carte. Donc on va save. Ok, donc en fait, voilà. Hop, c'est super simple. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'était Mr. Driver. Bye bye.